Alors, le système Borg, c'est par définition le modèle confluent d'hygiène digestive. Il est formé par la bête sphérique, la bête dentaire, qui porte ensemble le transit de l'examen, qui reçoit la bête dentaire supérieure, qui forme la bête. Donc, il y a une différence entre le système Borg et la bête Borg uniquement. La bête Borg est la bête constitutive du digestif. Il est formé par la confluence transpolarité avec la veine tempérée supérieure. L'élément postérieur est coupé des veines. Donc, veine porte, c'est ça, c'est important. La veine sphérique, comme sa sœur l'artère, hein, comme sa sœur l'artère, draine la rate, le pancréas, parce que par les veines pancréatiques, et l'estomac, puisqu'elle reçoit la veine gastro-ventrale. Donc, A, je crois que la veine du corps. Elle naît au niveau du vide splénique par l'influence des deux veines collées, qui bat la tête. Et elle chemine dans le vide blanc pour créer une grosse splénique qui bat la tête. La seule différence, c'est qu'elle chemine sur la masse postérieure du pancréas. Strictement postérieure du pancréas. Là, la veine est sur le corps extérieur. Masse postérieure. Elle s'unit avec la veine mésentérique intérieure sur la masse postérieure du corps du pancréas. Pour vous donner le corps de mes amis, et lui aussi derrière le pancréas. Qu'est-ce qu'elle reçoit? Exactement, quasiment, les branches collatérales d'intestin. Là, je vais vous donner un peu de temps couché. Mais ce coup, sur le versant bien, la forme artère veine gastro-ventrale gauche. Et il y a la dame qui a dû faire la veine gastro-ventrale postérieure. Et il y a trois veines. La veine gastrique postérieure qui va la tête gastrique postérieure. Ou la veine pancréatique postérieure qui va la tête pancréatique dorsale postérieure. Donc, voici les vestibules. Voici la veine gastro-ventrale gauche. Voici la veine gastrique postérieure. Thank you.
la raie mésentérique supérieure. Est-ce que c'est clair? Voilà, voilà. Donc, artère mésentérique supérieure, veine mésentérique supérieure, c'est le même trajet. Avec une nuance, une, la veine mésentérique supérieure, dès que vous avez le mésentère en avant de la tête, et progressivement même à droite de la tête. Elle s'unit avec le transfert mésentérique pour former la même porte en arrière de l'isthme du pancréas. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qu'elle ressent? Ah, c'est des choix et des choix. D'abord, les miens. Évitez de vomir. Comme sa sœur, l'artère, elle reçoit des veines véniques, les genoux. Elle reçoit des veines coliques. Elle est où? Droite. Elle est où? Elle est colique supérieure, votre colique moyenne, votre colique inférieure. Vous nous y trouverez constamment. Colica, média. Noire. Elle reçoit la veine fontanético-duodénale inférieure ou gauche. Et bien la terre relève. Les veines, la veine fontanético inférieure, qui est le miroir de la sclénite, votre mari à ça. Qui m'a la terre relève. Elle disait, papa, oui, j'ai un homme à l'eau, en train de la chose. Et il dit, la veine gastro-horizontale droite. Cette veine gastro-horizontale droite, normalement, se chérit. Sur le plan intérieur, une gêne. Voilà, terminale, c'est la question de terminale. Ressortez. Vous voulez suivre le droit qui n'arrive pas, peut-être. Une des trois mandats de droit, vous n'avez pas une complète duodénale supérieure et antérieure. Sur le plan veineux, se jette dans la représentation supérieure. Et les liens voilà, sont sur le plan intérieur, une gêne. Regardez ça. Donc, maintenant, une équation est réalisée. La veine mésentérique supérieure égale artère mésentérique supérieure, je parle d'apérence, plus l'équipe terminale de la gastro-duodénale. Voilà le choix. Donc la veine mésentérique supérieure, qu'est-ce qu'elle reçoit? Comme sa sœur, l'artère. Des veines gris, des veines coliques, supérieures, moyennes, inférieures, des veines, la veine pancréatique inférieure. Attendez, je vous dis deux. La veine pancréatique inférieure. Vous nous dites les deux terminales de la pancréatique. Le pancréatique duodénal inférieur ou gauche, je vous dis les deux terminales de la gastro duodénale, ou à la gastro mandale. Voilà, la PDS. Voilà. Qui n'a pas de distingue veine grise, veine conique supérieure droite, veine conique moyenne droite, veine ilio-conique, la colère, les veines pancréatiques, la veine pancréatique inférieure ou gauche, la colère, je ne cite pas les deux terminales là. Gastro-duodénale, elle est où? La veine PDSA, la gastro-commentale. Ici, il y a une bonne petite hâte d'air. Quand on vous lève la ligne, la veine colique supérieure droite. Vous y tournez, la gastro-commentale droite. Vous y tournez, la PDSA. Est-ce qu'elle est où? Au lieu, malgré la veine mésentérique supérieure, je dis n'importe quoi. Elle a les veines grises. Voilà. Vous avez dommage les veines coliques. Voilà. Vous avez dit la PDSA. Vous avez dit la gastro-dentale droite. Vous avez dit la PDSA. Fou. La gastro-dentale droite, la PDSA, la colique supérieure droite, se jette tout le monde dans la veine supérieure. Si on nous entre. La gastro-dentale droite s'unit avec la PDSA qui s'unit avec la colique supérieure droite et forme un même plan veineux qui se jette dans la mésentérique supérieure. Il s'en va le plan gastro-colique de L. Voilà. Et la N, donc, je vois, il y a mal, dit, l'arme de l'équation.
La veine mésentérique supérieure égale quoi? Non, ça te dit que sur le bon projet. Tant là,
Derrière le plan, l'hymne, elle passe derrière l'angle du dénom du Jésus. Donc cet angle du dénom du Jésus-là est pris en sandwich entre la veine des antérieurs supérieurs et la veine des antérieurs inférieurs. Où est-ce qu'elle va se terminer? Ajoutant la veine des antérieurs qui pêche sur le plan veineux et derrière le plan inférieur, tu vois là que je me retiens la zone sans aucune prétention. Non, je n'avais rien compris. De la terre sur le pont trajet. La terre est oblique en bas et à gauche avec une concavité droite, la veine est verticale. Sur le plan de l'étrogénal, affiché en l'air. Elle se termine en arrière du corps du pont terrasse en se réunissant avec la veine de splénique pour porter le transpénomisal. Cette réunion se fait à angle avec l'autre. Qu'est-ce qu'elle reçoit avec les antérieurs inférieurs? Comme sa sœur la terre, les veines coniques supérieures gauche, moyenne gauche et inférieure gauche pour le grand esprit. Donc, veine mésentérique inférieure égale à veine mésentérique inférieure. L'équation est un peu chimique. Non. Oui. Oui, par les intermédiaires supérieurs. Donc, rétrograde. Reçoit la même colique supérieure gauche. Oui. Reçoit la même colique supérieure gauche. Oui. Elle reçoit aussi la colique moyenne gauche et la colique inférieure gauche qui est le grand des sigmoïdiens. Bien. B, C, E. La même pente. Deux réseaux capillaires. Cette veine porte et la confluence du transpulmonisaralique avec la veine, mésentérique supérieure. La confluence se fait à angle presque droit, 90. Et la veine porte le vertébien monte obliquement au haut et à droite. Et elle rétrocroise le terrain. Pourquoi il passe postérieur de l'isthme ou elle rétrocroise le terrain? Ah, je crois. Elle veut dire que l'équation reste pas la lettre. Ah, c'est bien. Derrière la veine splénique, derrière la veine mésentérique, la veine, ou derrière la veine, le transpléno, ou derrière la veine mésentérique, sud. Et ça porte la veine, cette veine porte à sa naissance et les derniers risques du pancréas, elle passe derrière le milieu des veines. De la gastro.
هي لا لا بدي اسم بدي بزيد لا تري ما كنت شنو اللي بدك في وسط ليفين سيستي مي سوتو لا بين غاستريك دروات باش نسهلها عليكم لا بين دور دو سوا le cercle de l'articule 2 de l'estomac, donc veine gastrique gauche, veine gastrique droite, plus la collatérale de la gastro-duodénale, il y a la PGSP. Et je cherche. Vous voyez que je suis en cas de vous voyez, je pense que ah, hein? Où les veines cystiques, les veines cystiques, les cystiques, je ne sais pas. Le cercle de la petite courbure gastrique se jette directement dans la veine droite et la PDS. Allez, allez, je vais vous donner notre équation, allez, je vais partir de cercle. Ce système veineux, A plus R, ce système veineux, de double équation, allez. Veine systémique égale à testicule. Veine mésentérique inférieure égale à veine mésentérique inférieure. Veine mésentérique supérieure égale à veine mésentérique supérieure plus les deux terminales de la gastro-duodénale. Et veine porte égale. La collatérale de la gastro-duodénale est la BDSP plus le cercle de la petite courbe. Et je cherche. Rire, je dis. Rajoute pour le soldat. Allez-y. Les ventes extérieures du cercle est oui. ACD. Non, mais on va avoir une récapitulation. Je vous donne les nerfs.